wanyoshe na wanaume. Kweli wanama wazali wangu wa hei SSF wanroashe na wanaume kao warenge fursa ya huja akwaima ukala yatu ya lelo. Assalamu alaikum, tosana salamu na ziwendelee kama kawaida. Heni mwa d'octobre sifani marafala ya uskwalelo ni hundo fursa ya ukaribishi wa mwono ule selete mkari wa kisho marahana amjuandisa ebafala yanu hadiskuri ya shizungu mjo ufanya resume hashikomori aushinda nisahilishe zelungo zende haraka ili hirenzi emazuhala yaje yake menji rahana urongwa bando anzani urongwa shinga zija nduka mle nduka shingi ya ono wakati imana na ndamjwa nisa hashizungu nifane mnani hashizungu. Mesdames et messieurs les journalistes, chers membres de la CCF, messieurs, mesdames et messieurs, bienvenue tous pour cette conférence de presse qui précède traditionnellement le lancement de la campagne d'Octobre Rose. Comme vous le savez, la CCF a comme objectif principal, la CCF c'est l'association comorienne contre le cancer chez la femme, de combattre les cancers féminins et lever le tabou sur la maladie. Elle s'est donc donnée comme mission sensibiliser et informer sur la maladie et sa prévention, plaidoyer auprès des autorités nationales et des partenaires pour un cadre stratégique aux Comores sur lequel l'ACCR pourra s'appuyer pour réussir sa mission en tant que ONG. Accompagner éventuellement des femmes malades à leur demande, bien sûr, dans leur démarche administrative pour l'évacuation sanitaire. Créer et renforcer le partenariat avec les personnes physiques ou morales concourant aux mêmes objectifs. Apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes par la maladie, si les moyens nous le permettent. Depuis 2019, à l'instar d'autres pays, la CCF se lance dans la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, baptisée Octobre Rose. Cette campagne est originaire des États-Unis, où elle a eu lieu pour la première fois en 1985 et en 1994 pour la France. Elle a pour objectif de mobiliser les femmes et leur entourage en sensibilisant sur le cancer du sein par l'information et le dialogue, ainsi que l'importance du dépistage. Même si notre association se consacre au cancer féminin, mais Octobre Rose est consacré au cancer du sein. Le ruban rose est le symbole international utilisé pour tous ceux qui s'impliquent dans la sensibilisation au cancer du sein. Donc tous ceux et celles ici qui portent le ruban s'engagent à appuyer la sensibilisation contre le cancer du sein au Comores. Avec l'appui de nos partenaires, donateurs et sponsors, 404 femmes ont été dépistées au mois d'octobre 2020. Et 84 tumeurs enregistrées, dont 5 à fort potentiel de malignité. Ces résultats très touchants nous encouragent à multiplier nos efforts avec beaucoup plus de sensibilisation et de prise en charge des nécessiteuses à hauteur des apports de nos donateurs, dont nous espérons une grande mobilisation encore pour cette année. Nous remercions tous ces bienfaisants qui nous aident et qui nous soutiennent dans cette grande lutte. Cette campagne s'adresse plus particulièrement aux femmes de plus de 50 ans, pour lesquelles une mammographie est recommandée tous les 2 ans, en plus d'un examen clinique chaque année chez un spécialiste. Elle a aussi pour but également de rappeler à toutes les femmes de plus de 25 ans qu'il est conseillé de faire un auto-examen mensuel des seins
ainsi que l'examen clinique auprès d'un gynécologue tous les 3 ans. Aussi, chaque femme observant une gêne au niveau des seins se doit de consulter un gynécologue pour savoir si une mammographie est nécessaire. Et une vigilance particulière est à observer chez toutes les femmes ayant eu un membre de la famille atteint du cancer, ce que nous appelons les familles à risque. Du 5 octobre au 5 novembre 2021, les frais de la mammographie passent de 37 500 francs comoriens à 1 800 francs comoriens au cabinet d'imagerie médicale, du 18 000 francs comoriens au cabinet d'imagerie médicale du docteur Abdallah Saïd Swami à Ankounou Moroni, et 20 000 auprès de la polyclinique spécialisée du docteur Kader Saïd Ali, quartier Lazare, Moutsamoudou, en juin. Plusieurs activités sont au programme, notamment 2 journées ouvertes, 1 journée tabou sur invitation et des caravanes de sensibilisation au niveau du sud. L'année dernière, on était au nord et cette année, au sud, à commencer par Ikoni, Foumbouni et Ouziwani. Et une marche rose pour ne citer que celle-là. Notre association grandit, bien sûr, et notre message de plus en plus audible, car petit à petit, nous observons la libération de la parole et l'importance du dépistage précoce commence à rentrer dans nos campagnes. Jusqu'ici, le cancer était un tabou. Personne n'osait en parler. Mais depuis notre création, les femmes atteintes du cancer commencent à se libérer. C'est un des grands pas que nous avons fait durant ces 4 dernières années. Cela ne serait pas possible sans l'engagement de nos équipes et l'appui de nos partenaires et sponsors, dont je saisis cette occasion pour les remercier au nom de l'ACCF. Je dis ici bravo aux jeunes qui nous ont rejoints au niveau de la CCF, leur engagement, leur détermination à combattre le cancer. Merci les jeunes, et nous espérons que bientôt les jeunes garçons vont faire partie de nous, ainsi que les journalistes sur qui nous comptons beaucoup. Nous parlons ici d'octobre rose. Tout n'est pas rose, car nous sommes confrontés à beaucoup de contraintes pour l'atteinte de notre objectif. Octobre rose, rose, c'est la féminité. Rose, c'est la bonne santé. La vie en rose, c'est vivre bien. Donc nous espérons que tous ceux qui vont se faire dépister, atteints ou non, vont vivre malgré leur problème de santé qui est le cancer. Il faut vivre avec sa maladie comme on vit avec d'autres maladies. Donc nous parlons ici d'octobre rose, tout n'est pas rose. Nous sommes confrontés à beaucoup de contraintes pour atteindre les objectifs. On peut citer entre autres le faible accompagnement des autorités publiques en charge de santé, l'absence des services appropriés pour le dépistage dans le public, le manque d'infrastructures appropriées, un seul laboratoire privé d'anatomopathologie, où nous avons l'année dernière dépisté 200 femmes, et c'est l'association qui a payé. Merci à nos partenaires, merci à nos sponsors. Sans eux, nous ne pouvons pas faire ce grand pas dans notre association. Le manque de sièges de notre association. À ce sujet, je tiens à remercier l'Université des Comores à travers la Faculté des sciences et techniques qui a accepté de nous loger provisoirement. Pourquoi l'Université des sciences? Parce que dans nos missions, nous encadrons les étudiants qui font leurs recherches sur le cancer, et en particulier le cancer du col comorien et d'autres cancers dont nous pouvons trouver à l'avenir remède
Donc là, notre association les appuie et c'est ainsi que nous avons eu la chance d'intégrer l'Université de Sciences qui nous appuyait provisoirement pour ce local-ci à l'Université de Sciences, à l'École de Santé. Enfin, malgré toutes ces contraintes, nous sommes plus que jamais déterminés à atteindre nos défis et nos perspectives. Nos défis sont énormes pour les prochaines années. On peut évoquer l'acquisition de bâtiments, pourquoi pas, l'installation d'une unité administrative, la création d'un site web, la mise en place du secrétariat permanent avec dotation de ressources matérielles, la mise en place des antennes insulaires, le renforcement des capacités des membres de l'ACCR, l'élaboration de projets pour la mobilisation de ressources auprès des partenaires et donateurs, l'élaboration d'un projet pour mettre en place une unité de dépistage et un plaidoyer pour la réactualisation des conventions sanitaires bilatérales existantes. Je veux parler de l'île Maurice, mais aussi les îles de la région, comme la Réunion, pour accueillir provisoirement nos malades en attendant la mise en place d'un service approprié ici dans notre pays. Je ne voudrais pas être long car je sais que vous avez de nombreuses questions à poser. Je vous remercie et merci les journalistes et merci à la CCF pour les efforts que nous déployons pour encadrer, poursuivre et surtout sensibiliser, informer et lever le tabou sur la maladie du cancer chez la femme. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Amale Namabiani. Kardiyo Subutiri Jebanu Kakarongo wa Elumayahatu. Sha kawona ukaya uliho garasona ni haraka shizungu ngajo shinda mshitafsiri hamwase mba wasa matangazo za hano sha tukazana peka ya daboro watonjwe shama shinu shama shandisa nishona takriban mahamine ikawo waima na nushe ikawo hakamwade haja amba ukaya za mhure katumanza mwanamushe zi mhure donku wandusi wanawashe rijuhe rihashirishe wanawashe ili owale unu au kaya ikautafuti wanakabula wawona anisisi rijuhe rilengese mbawa zanti hatu riwami ukaya ikansele yawona na mwenye mafanye mamografi na mjihane mbabe mabele na mwenye maone duktera ikaya gamona ukanga botangu za mabele hawe famia hanyo giona mdu ya paruka na kansele. Donc il y a une madhumanio ya hatu ya ufanyesha mashino do uhashirisha heni mkomoro mahalali yo yende ya jitude ya madele ne nileta yo ili wadeune uti mrenge au kayaka utafauti yona kabula wawona zemisyo risa rizambabama au kaya nizo do ulunga wanuatike wawade wafanyese examen wende waone doktori kanga botangu ratu sisi tena rishitane rimungeze nchida riwasaidie au kanga uwenji watonjo shida wende wana doktera watonjo shida wapashia donc sisi rinadi harumwaze sirikali mbali na mbali sijo huja ukaya na wake politiki ya he wanane kasel mpaka iti wanzijuba rahe sirikali kwa tina bernanaji ya wanane sirikali sisi wasikani wanao hata ikaye hata ribernamisha namna ya wanane sile sirikali no wache waone neze tatibu neze diswara za mfanya ya program ya he kasel afiki kama ili wapia emana ya Oktobro Rose emana Ravaya Rose emana neze Riba Rose sinapsi lejei eze vizyo zaatu, tisati mambiyani, tinafuzi zirejei. Eza kitikiti rafanya, nizo njo sisi ndia, au kaya kabajaka statistiki hunu kumono. Wana santagura karafanya, lasina ye asosiasyo ya kanseri ya luka ya hali, ya kaya bali wani mshangama, rihunru wana
Heni maharabu, nduende yao ni doktora surtunda wanuka uomba mna wangu harumasi famisa hao wakana uwali wakansele rekambaba hao, rekambaya hao, rekakupo hao, rekamzadra hao rekan, ani ilasi mwajue na kabula donki yedi madaka sisi rango mwezi nsana ya oktober hate mwezi nsana ya novembre gari joo ende harwe miji ne miraya watimanani na journalisti mkisaidie Heni mtu mshoma halayali yo, ya juhu ndia fanya mamografi, ya tili ndia, omwezi mkisa, ajombali vezi mfukara. Mahajana liwana hata walisisa alifanya ziwizine. Unumaha liwana hata walifanya ziwizira na majina maranda ya. Afikikaya, mdu, nashahishe mtu mshahe, mzadzahe, wanrualobano, eni mdu ndia fanya. 18,000 franga njoka ya uti babiti karma maishari yu abasa. Sha yoti menji ulivo, yoti mabititi ulivo, do uwade ranzolu wanenu, uwade muhimu kwa mpia kwa ujua wo, ukawekamu hauransi kajawangalia, no solma, ingabo ya siwa, sha rembaga, ranzazi refami yonzi pia, woka mwa problemu, haukaya, wanzoa mangalie, ikangu pashio, wanzoa dungane nae, ganzao shahula shema, ganzao malala wa menji, doku nuwade, rujomba ukaya, wahemwade shane familia haa. Doku lima nalitahao majurnalisti kwezi, rimtani nyo, hote ni mahala mrajo ukaya, heni mikro mrajo urenga, haruwa mwezi wa Oktober uno, mruya vulize ukaya, na mweni mwafani mamografi, hauka undo mwezi wa Oktober rozo, surtu ipu hailei. Donc abo sisi hamwe banana ji hatu ngasina conférence de presse yenu ngarjo kufanya caravane zungusoni ji ya rose na ndio watu kaya elisaribua e campagne October Rose ngasina sport ko Alliance Française kao ndwala kiwa wachione wa December bi parce que au kanro wa hemade de kado fanya sport enisaya nese karavana zendao ikoni tsimambia ni usiwani funguni garanzora ndi hata na usivo nane nene mji wa jora mbere ndira wa sensibilize e kaza tsidangizo ngari johenda nganjo henda na umbisheria ni marahaba ya ukaya ngari aminio ze juliza hani kwa majournalist kai mwana yenu tihatu ya asiche ini hatu la sinani eka kamjarenga za nongo zenu kazi na mida hule maisha jiti hadi hatu ngiyo na mribuli yeze radio na mribuli yeze television riwaneneshe iji hadishinu haukaya wazima de joshinda rijeze dingoni ze kanser pia hususo de kanser ya hele dele salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
les émissions zaha ondali et zaha tundali. Mime zaha tout ce mabia ni ba. Do uhashirisha, endumshe, eni mahala yali yo, ya wane ne cancer, ya endumshe, ya hebezao, ya hemabele, ya bayo upona, eka mbu hajuha na kabula. Ni wahashirishe, watengele maduktera, wende wafanye mammografi, wende wafanye flofi. Iyo ngazo yele waneno nono, kayule aditena, heni mbu mshelona kanselu, ya titatazi, uo uwadi hama kwa lezino ajina. Surtout kambu wa juhana kabula, uo uwona. Donku, narele weno nono kama mbu katushina na mbo, lasina na mshangama. Au contraire, ye konseye wa hatu. Iyo li zahandani. Ezabili, era goi tumandise shama hata lelo, e mshini kwa saidi ya nongo hindi. Rwasaidia haukaya deja utuambia kana mjumbali mwafanya mammografi. Rendera waneri negosia hata da sina simu wa wapuli yezedei. Iyo nga unku urafanya haukazi ufukare na jana iso ni mbwe tuto shinda. Uko munga mjumbiani ejitalia simu Centre d'Imagerie de Swamihi. Mwahajana waripulia ikazi wizine unuma waripulia mbiozo zira na majana marande ya. Ehenge au yatinga unafanya mzuani karija shinda mzuani wafanya zimizine kwa jashe kwa maana wa majuria yu kajapua doku sisi ngarawa uyo ngaunku ngaonga vitana rapua rimwambia ni ukaya mahaya mwiso inu wanawashe majana maili riwalibia heni mdula shina majana matano hendi hafanya froti harumwa prive hake sirikali kabati. Rimwambia nikangu lugumi nane na wane wa o dute na wa sara wa o nakangu wa o wa o wa o harumwa ezahe froti wa unga muhata wa jitapilia wa pashia rikau telefone rikau ambia rikau nisase nzia ze tartibu hata wa rohe shahi ni mdu kanato shida ya rohe heni mdu katunali shida ya rohe paska mdu mwambia ni mdu wali ukawo wane. Wani, akai inti nuko za mwaha mzima. Inudoko ikorenga mezi na mezi. Doku inga urapuwa niyo. Ne ukari japano, mparani, ngari mambiao ni, eze radio abaha nguwa ndao, kwa kumbawa kanseri. Akaga mjo kama serikali yatu, kawajaa juru na yiko kile kanseri. Mparo misha mala, kwa mjo paru kwa rawa. Dobo kwa kawacha tabari na maji. Sisi inga urapuwa, vanuri sari jitaribi tibisha, ripara ya serikali. Wajeri kentirire mane magora, warabie zenzia, ze tartibu, ze miswara, wajua mrenga o wanduwalone kanser, hususwa ndo wanduwashi. Walikubalia, wajua huja, garjua ifanya, garjua mparani mjemoni. Donk eka, ngawo ngaonani waza, wanana wajua hamba, sha, hizo lezenga unku unafana, eka uhali, kamjapare shia, mrafuba kanser, nitu shaka hafuba. Donc on a besoin de faire harmonie. Ils ont donc aussi quelque chose à chercher à faire. Nous avons ces efforts à faire. Maraha. Maraha, merci. Wa na maonzi kia wahe zemedia global. Mi docteur Hisani, mi membre wahe. SSF. Abomi nam jo sana ni jibumbavi esubala hese cause zai cancer. Wanuka wajaha cause ya amba ya cancer ekozi ugaimu. Wanuha dani waha ramba de factor de risk. Factor de risk. Ya heze ngo zai cancer, essentiellement cancer lolio leo, rihadisio de cancer ya he lebele. Handani, oka mdumshe, yo risk, factor de risk. Parce que wane cancer ya esan yo jozunga la moname. Sha, yambo kaya, zedoniza yo mesi, zamba yo 0,5 a 1%, yo shile zinga la moname. Parce que moname na genaye, yeze glande, ya he mamel, ya he onibwezi mozahe. Donc yo jozunga, rochache, donc oka mdumshe, yo risk. Waja ze risque le zamba banu madame présidente Hazamba e kanga wina jenu kama familia hapo kwa hapo tantoa hapo zaza hapo
akana cancer ya hele bebe yo jokiri shayo tinuga 100% yo jokiri ke bana hem chuwa airenge heze je shayo tikes lamba ukaya kem za zengena bo 100% mwanangu jo donc de mara hamba kaya haina mdu lona kama ifamia hahe ngena cancer ngelo ni jula zimu ya do zengelea imadukera we mangalia haina maha we juaka ifafanya mammography au yasifanya mammography. Nous avons des risques. Nous avons des risques. Ze wafanyo hazi hamwaze nongoza radio ze rayon x nongozi njuka zo jo favorize cancer chez les uramba uka facteur de risque la uramba utena denu woko dobure sedentarite kusufanya sport plus mwaka kusufanya sport plus nge na toza cholesterol plus yo facteur de risque de manera mbio wangu pia ukaya wafanyo sport beze risque zo vongoza la uramba hadisi ya hobo msi ni alcool ni vinyo haina mduka guvroms hata utovura uloba vuni levushe la sigareti linjiao yo riski ya ufanya na ufanya cancer donc ils ont pia facteur de risque zinji zilio ngabosera e alimentation hatu yanzo haso lione ziluri nao ifahamu haso e sukari nji e maframe nji na buje na ufanya rizikeo kwa na kwa inji rirambale obezite risane hata wana hatu wa huwendo waransi na mwana baha watoto ameze fast food ze walau haku ze shahula zifanyo industrieli izo pia factor de risk kazo favorize ni cancer donc chaka bachaha nongo zima ukaya inu getogeza u cancer donc minga mzio vano ikanga wa nama wanza wa mbo. Salam alaikum. Imigam Jodji Bumbabile, sous Alala et sensibilisation, Haruma et Massiwa. Lyone Saukaya, Haruma et Mahaya Bira, Kachakarachina Raida ou Massiwani. Cha et Biruya Yumeni, Rishindiri Banya Contact, Rassino Anania Siwalo Massiwani. Donc, et sensibilisation, moi, Gaïjo Fanchiha ou Massiwani, parce que Rassina Anania Siwalo Yivo. À la fusée d'Aribou Saada, la préconfagne sensibilisation à moi des bureaux de poste Pia Zahé et Massiwa Umararu. Donc, et sensibilisation à Idjofanchia Mouma, Zouani Namouali. Une nouveauté cette année, c'est que Zouani et mammographie à Idjofanchia. Nous avons le cas au Kasdjakaya, à Mouma Hayabira. Donc, Idjofanchia au cabinet docteur Kader et au quartier Lazare, Tsam. Donc, à Babi Hambabi, on occupait le terrain. Nous avons fait des déplacements. Programme de lutte contre le sida, au panneau et cancer, et cavati bernamaj. Donc, le fait que cavati bernamaj, j'aime quand je donne les chiffres, quand je donne les jouets, et moi, Frangabi, et moi, le nom de Wangabi, et j'ai donné les jeux pour l'instant, carti miso. Et j'ai donné à CCF, le nom de Jokaya, va fanchir à mammographie, Majana Mane, Mahajana, va fanchir à Mugomiranda, Mahayabira, donc ils ont les mêmes données, le nom de. Kamjo jibu le suala, le dao, nungu lunga imwade, ya sajuda na nungwade uru, esi, singa kifanya ondo kuhindi.
Madame la présidente, amjibu dibanu, amabia nukaya, yemuhimu ya hesha mashahatu, ri, aniri, mwande mwanamisho mkomori ya shide ya juwe kwa mti wale wabwana haya, yemuhimu ya hatu, rihashirishe, uwale unu, yemwanamisho ya juwe kange mwale, hawika kati mwale, ya juwe nakabula, ya jeyaji tunde, ili uwale unu rijue duzire nakabula. Ye mwale haba haja hafanya zeno ngoizo, hafanya ila mamografi, hajulihana, kange mwale. Upanda hatu katifanyo hindi haba kasiri mwale ya nike mhumi hatu, rihashirishe zeno ngoizimu. Siso upanda hatu reke mwale, haja haliwono. Uwa wale pia kona suja ujewa hiwoni. Kwa wakwenda wa haji sirene maduktera wa hao, wa wambieza lazimu zifanyo. Kwa wasaya wakura zeno razi la unizifamiza hao, wa roha, hauka wasaya wajombaki, wasuanyedu, wajokushindaganu. Gabwana kucha warambia, wana wakucha warambia, singa njua wambia ukaya, upanda hatu kama ushida rimdibeni, rimdibeni peye, mwende mori zia ula vinyo haufaranta. Sha eka ula mwale, haisange na zinafasi, zihanta ya uombe, siku msaidia upanwe makartasi ya hatu. Gabjona ze mbio dasinaye, gabjona zo shida rimsaidia, hawa sirkali, haule nde mbio, mula na mula, hata ula mwale ya uombe. Yomkinishi ya ukaya, nende mbio hata katushida ya roha. Si ufanya robo ubakaya, ambeseke siya rumesha ambia, shaka mjua ufanya limsaidiye. Nwe ya hundo unonoha, ye mhimu ya hundo unonoha he, hamisanda ya mahadisi la sina he, hamisanda ya fikira, shaka zufanya misanda ya mapesa, wara haka tina zinchida hizo, izo zinchida za hatu, shaka mjua ondoka izo zinchida za sirkali, za sazelezi wa vanu, hapo nge, wondo upando jushida mambieli, harumesha masha hatu, izo kufanya ulamade ya sajulihana nuwai. Ewa, msenga roti mizi ele skala la mwiso la hema partenero. Tikanzana ndi ukaya, karna ushida rambi hapa hainu hema partenero wenda wa injeza. Narjo ushida rumabia imba viku wa mahajana, pasko saru wa resanse, rifanya raporo, rihisa, narjo wa vumambami. Wakore waliwazi wa risomini, shako wa mwumaha, aina usukungu wa tuko henjeza. Aina usukungu wa tuko henjeza, wakati rjo ufanyi raporo ya hatu ya hisa, rjo ufanyi listu pia, mahajana rika rifanya, ribihala gazeti, ribihala alwatoni, ritueli. Abaka na uji uoze, rambe mapartonero homo haonu, pasko aina usukungu wa tuko la partoneri, ijeri saidia, rjo ufanyi raporo ya hatu kamu wa menze, alafaya hebu. Shama mahajana, rjo ushukuri ya uwa mahajana, ukawaroha hamuze Jolopia, risaidi wa haswa swane epnudu wa risaidia, li wabakani kwa ufanya depistaji ya hei kanser du kolo, risaidi wa ne Paris Central, risaidi wa ne Nemeki, risaidi wa ne wamse wa juni swami kakajashina huwa pia, nezama wa shangiri yao, amade moroni akoy, amade infoekor, amade ya asosiasyon ya hei staff ya omesi, walinika wajiapi ya reunion de coordination, joka ufanya de refleksyon. Donc on a wengi wengi walisaidia kana wananyasi walo Faransa wahuza kama tablo madame Mathilde wahuza tablo wahuongea mapesa warerea wawashukuria upia donc wengi wengi walisaidia na ujukasa somaha kaka tine listi wa lupia jana rito wa hamae majolo pia listi ya huwa lupia wali akompanye mahajana donc ndihili na zamba ya rjo towa ima partenero wa hatu pia umahaunu ama ima jono tena ikarashindiri kamilisha wati pia ewa tiluaza ewa ndo biselektu wakala sedi ya mahajana aswaza atraver direktor Shamsudini akari sedia ewa magazan zinji magazan elamin wakawa walisedia na wanwenji walisedia shapiski selo hamwe jono pia kanashi nato ubebi istabaha kumatsoni elizame. Changa rjo toa umahaunu, rjo toa rimnikeni pia, wanu warisaidie madonatori, wameshila umarahaba, wawatsi pia, rao rawavumua, rawatushine rawavumua, kwa nisho mwa uwenji. Marahaba menji.